pays de Tréguier, la coiffe du Trégor porte des ailes de mouette. Elle aime le recueillement des cathédrales hautes et dentelées qui poussent drues en terre bretonne. Coiffe s'harmonise avec la simplicité austère des cloîtres, nombreux en cet air mystique. Et les pigeons, comme la coiffe, ouvrent les ailes et virevoltent. À jamais immortel, Paimpol, Port-Even, Cher à Loti, où Gaulle guettait le retour du pêcheur d'Islande. Paimpol, la très bretonne, fidèle au souvenir des morts. Loubaz-Lamec, où les murs du cimetière sont tout émaillés de regrets pour les péris en mer. La campagne, le long du littoral des côtes du Nord, déroule ses landes de bruyères, ses rochers déchiquetés face à la mer, grande mangeuse d'hommes. Ses pins torturés, ses blocs de granit posés drôlement en équilibre, tel ici le chapeau de Napoléon. Et là, ces oratoires isolés. Sur le seuil, dans l'ombre de la porte, l'aïeul a entendu venir. Il s'agit d'un renseignement. Oui, oui, cette petite maison où il y a un enfant. Par là. Et maintenant renseignée, l'assistante sociale met le cap sur la petite maison. Elle va d'une chaumière à l'autre, à travers la lande, poussée par le vent et souvent par la pluie, à la recherche d'une souffrance. L'enfant et sa mère reçoivent avec plaisir cette visite, car le mal, la tuberculose qui rôde partout, tout de suite dépisté, sera plus facilement, plus rapidement vaincu. Et derrière l'assistante sociale, les dispensaires seront les premiers à offrir leurs soins et leurs conseils. Le département des Côtes du Nord est jalonné de 37 dispensaires, auxquels s'ajoutent un sanatorium pour pulmonaires, un sanatorium pour osseux, ainsi qu'un préventorium, tous dotés d'un équipement moderne et dirigés par un personnel médical particulièrement compétent. Auprès de la Rance, Dinan a construit son dispensaire. Ambiance familiale, gaieté, bonne humeur, soins attentifs. Avec de telles armes, le mal sera sûrement vaincu. Et voici Paimpol. Thank you.
enfin, la vieille ville a le sien également. Et l'Oudéac, joli chalet derrière ses barrières blanches. Et tant d'autres. Blanche et majestueuse, la villa du médecin directeur des sanatoriums de Bodifay ouvre ses bureaux au nouvel arrivant. Elle est située au sud des côtes du Nord, près de l'Oudéac, en pleine campagne aux arbres centenaires. Dans son voisinage s'élèvent les deux sanatoriums pour hommes et femmes atteints de tuberculose pulmonaire. 300 lits distribués en trois galeries reçoivent les malades pour des cures souvent radicales, toujours bienfaisantes. Elle nous conduit à Trestel, dans l'anse de Perros-Guirec, au sanatorium des tuberculeuses osseux. Situé en bordure de mer, le sanatorium ouvre ses trois galeries à l'air iodé et salin qui fortifiera les jeunes allongés. Médecins et infirmières attendent de nouveaux pensionnaires. Entre les massifs fleuris, l'ambulance se meut avec douceur et stoppe. À petit geste prudent, le brancard est descendu et le malade entre dans cette maison de la science et du dévouement où, durant des mois et des mois de soins judicieux, il parcourra le chemin de la santé. Trois galeries garnies de lits blancs. La première abrite les tout-petits de 3 à 7 ans. La deuxième, les filles. Garçons jusqu'à 17 ans. C'est la maison de la jeunesse. De la jeunesse souffrante, mais joyeuse parce que sûre de la guérison. Thank you.
Parmi les lits circulent le médecin directeur et l'infirmière-major. Parfois, de ce geste de maman familier à toutes les femmes, une infirmière promène un petit dans ses bras. On mange bien au Sana, de bonnes choses, soigneusement préparées. Il s'agit de fortifier les corps affaiblis, aussi la tâche du chef est-elle de première importance. Succulents sont les plats auxquels les petits malades goûtent avec appétit. De son lit, l'enfant allongé contemple la plage de sable fin, le flux et le reflux de la mer. Il aperçoit les sept îles et l'île Tomé. Il regarde ses camarades, les convalescents, les guéris qui jouent sur la plage. Il les voit en groupe, bien rangés, se rendre à la gymnastique corrective. Et ses regards n'ont point d'envie, parce qu'il sait que demain, ce sera son tour. L'instituteur-moniteur exécute les mouvements spécialement étudiés pour développer et rééduquer les muscles. Dociles, les petits malades répètent. Veillés par des infirmières attentives, ils goûtent un délicieux farniente sur les rochers. Et puisqu'il fait beau, tout le monde au bain. On y saute, on s'y amuse, on essaie de nager, on crie. C'est si bon la vie que l'on s'efforce de reconquérir. Dans l'anse d'Ifignac, à la pointe du Roselier, le préventorium de Saint-Laurent soigne les enfants affaiblis ou menacés de tuberculose. Dans la même maison, garçons et filles occupent dortoirs, cours et réfectoires respectifs. Saint-Laurent monte les couleurs et c'est dans le matin frais le salut au drapeau, au bout des jardins fleuris qui descendent vers la mer. Ainsi que dans toutes les maisons qui créent la santé,
La nourriture est substantielle, variée, abondante et fréquente. On entre souvent au réfectoire où de bons bols savoureux forcent l'appétit. Le directeur jette un dernier coup d'œil sur les préparatifs. Il approuve. Le déjeuner sera délicieux. Nos enfants grossissent de jour en jour. De temps en temps, quelques bobos. L'infirmière va penser cela. Et si l'on dansait en attendant son tour? Tandis que la cloche se met à sonner le rappel, les autres courent à toutes jambes. Les dortoirs possèdent un système d'aération commode et généreux. Le soleil et l'air entrent à profusion, mais l'ingénieuse disposition des châssis barre la route au courant d'air. Ici, la ferme met sa note amusante et pratique. L'étage, œufs, beurre, corse les menus et les fruits de toutes sortes les complètent. On fête à Saint-Laurent la classe en plein air, torse nu. Ensemble, le corps et l'esprit s'épanouissent harmonieusement dans le vivifiant voisinage de la mer dont chaque fenêtre révèle la présence. Beaucoup de gymnastique. Une gymnastique gracieuse comme une danse dans les allées du jardin. Cela fait des enfants vigoureux. Comme on dégringole bien les escaliers quand on a les jambes solides. Les filles préfèrent les danses rythmiques où s'affirme leur souplesse. Chaque soir compte sa victoire sur le mal. Voici l'heure où, fatigué d'une bonne fatigue, on s'accoule un instant pour un dernier adieu à la mer, avant le repos bienfaisant qui marque une étape sur le chemin de la vie.